Eh bien bonjour, c'est Agito et bienvenue pour la suite de notre magnifique aventure sur Terry's Wonderland 3D. L'arbre a poussé, l'arbre a grandi, donc on a accès à de nouvelles zones qu'on va aller voir tout de suite. Et après on ira se faire la raid de Rancé et puis grâce à ça on débloquera de nouveaux téléportails qu'on ira aussi se faire. Bonjour madame. Alors on va commencer par là et tu peux voir que mes monstres, eh bien je les ai resynthétisés hors caméra, histoire qu'on avance un petit peu sur les fusions. Même si pour le moment ça bloque, hein, parce que il me faudra des monstres de rang B au moins pour faire de nouvelles transformations. Et là on a Gué, Octorok et Torchon. Voilà, je bloque assez, hein. Je peux pas faire plus pour le moment. Compliqué. Alors, de ce côté, un petit coffre et un passage dans l'arbre. 5 spéciales médecine. Cool. Ça c'est des objets qui soignent beaucoup mieux. Ah, café et ciseaux. Oh, mais tu as battu mon frère. Viens donc me revoir quand tu auras conquis la reine de Rancé. C'est cool ça. Parce qu'on compte aller le faire juste après. C'est génial. On va aller de ce côté maintenant. Donc j'ai fait vite fait le tour pour voir là où on avait accès. J'ai vu que ça. On va passer par le grand pont. Et pour les téléportails, quand j'étais faire mes captures de monstres, eh bien, j'ai compris certaines choses. Ou des zones aussi sont débloquées qu'on n'avait pas vues. Donc les orbes bleus, c'est apparemment quand il y a un grand monstre. Le caméléon qu'on avait vu. J'ai trouvé une zone où il y avait aussi des PNJ à combattre, mais ils sont extrêmement forts. Donc j'ai abandonné. Et un autre endroit où il y avait des coffres trésors. Et pas mal de jars. Donc j'ai récupéré pas mal de graines qu'on pourra donner à nos monstres. Une question que je me pose, si je donne une graine par exemple à lui, à Glutter, est-ce qu'il va garder, si je mets une graine de force, il gagne plus en attaque, est-ce qu'il va garder le plus 2 quand on fera la fusion? Je pense pas, hein. Je pense pas. Je préfère les garder, on économise. Ah, pour la wifi. Ah cool. Ah, mid market. Ouais, cool. Scout chance 3. Mais ça coûte très très cher. J'ai le pognon mais on va éviter. Weapon shop. Ouh, 6400. 57 attaques. Mieux contre les dragons, hein. Ouais. Ça coûte très très cher. Restant les HP, ça c'est cool. Vache. Contre les monstres de métal. Pas trop mal, pas trop mal. Alors Slimy, je vois par contre que t'es boosté partout. Tu serais pas sans équipement, toi? Ah si, Sacred Clothes. Item Shop, qu'est-ce que tu vends, toi? Ah, j'ai vu aussi quand je combattais des monstres. Alors peut-être des monstres que j'ai déjà combattus pour le coup. Soit combattus, soit déjà attrapés. Je peux voir leur sexe. Ils sont mâles ou femelles. À bon entendeur. Et là aussi, on a accès maintenant. Il y a un petit stèle. Petit monolithe. Avec une nouvelle compétence. Coup de pied. Qu'est-ce qu'on débloque? Nose for treasure. Ok. Le nez pour les trésors. Donc j'imagine sortir, il y a combien de trésors dans la zone actuelle? Dans ouais, la zone courante. Le nombre de trésors non collectés. Alors, quand ça dit trésors, c'est uniquement les coffres ou aussi les objets simples? Le nombre d'items, donc apparemment c'est aussi les objets. Bon, allons Battle Arena. On va se farcir le rancé. Hey! C'est parti, mamie! Là, les monstres vont être un peu plus costauds. Mais bon, vous aussi tiennent la route. Attends, je ne fais pas un sang d'encre. Jolie petite robe. Allez, ça commence le combat! Ah, Medusa aussi. Trop forte. 1700 HP, peut-être 3 fois par tour. Impossible à capturer pour le moment. Tac.
Je vais donc pouvoir monter un peu plus en niveau par la suite. À chaque fois, on était trop fort, je trouve. Là, par contre... 1200 gold. C'était dur. Hein. Pa, 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 pa. Yeah! On a morflé là. Le niveau a changé d'un coup. Joy Gate and Sky Gate. Super. Retournons à la Starish Line. Et je sors directement. On va aller revoir créer à main. Et puis jouer du coup. C'est chiant. Ouais. Oh là 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 là. Rock. Et c'est vrai que si on fait égalité, c'est lose. C'était quoi déjà? Fallait apprendre par cœur, non? Papier. Je crois que c'était ça. Bon. Ciseaux. Tellement gagner. Chiant. Bibu, bibu. Papier, papier, ciseaux. Ça, c'est pas des enfoirés, ça. Si c'est juste du apprendre par cœur. C'est bon ou encore? Encore. J'aurais bien dit ciseaux encore. Hein. Allez, rock. Ouh. Papier, papier, ciseaux, rock. Papier. Oh, trop fort. Je suis dans sa tête. Enfin, dans sa main. Enfin, on s'est compris. Azerwad, I unlock a hidden traverse gate in the back of arena. Ok. Oh. Oh. Derrière? Tu ne passeras pas! Seulement les participants de la raid ont le droit de passer cette porte. Ok, c'est vénère. Excuse-moi. Derrière la reine. Il va falloir que je trouve la salle. Ah, là-haut. Je vois un téléportail rouge. Rien d'être ça. La statue elle a bougé. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Bah une zone... Essayons. Des spitniks en plus. Niveau 21, 142 PV. Ah non, regarde, on peut voir, hein. On peut voir sur tout le monde, mâle, femelle. Je peux savoir si je peux attraper ou non. On va se le tenter. Ouais. Très dur. Ah, les pourcentages. Non, mais vraiment, dans ce jeu, pour pouvoir attraper. Ouais, j'ai des monstres niveau 30, ou. Ok. Eh, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Chancelard. À si bas pourcent, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Et vraiment, vraiment. Bon, allez, on va aller jusqu'au bout. Bah, c'est cool si j'ai réussi à l'attraper. Premier coup. C'est réussi, il y a 30%. Et bah, donc aujourd'hui. Allez, vas-y. Spotify, même si je m'en sers pas. Mal. Niveau 16. Alors, j'ai bien besoin de soigner tout le monde. J'ai plus beaucoup de MP. Et ouais, par là-haut, je peux y aller aussi. C'est musclé, même des fesses. Hein. Oh, le pom-pom. Il endurcit. Ah,
Au moment où je vais commencer à dire, est-ce que c'est pas un piège? Point de PV 560. Fighto. Donc lui peut mettre des coups critiques. Et la whack. Raté. Sur la trombine. Point de PV 70. Ok, on va faire ça. Un petit. Combien qu'à buff? 4. Non, tu restes en défense. Toi, tu peux taper et toi aussi. Tac, 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 tac. Wack. C'est bon. Ouf. On essaye. J'ai réussi à attraper aussi une caniboîte. Mais pas de grosse synthèse à faire avec. 12%. Allez, de toute façon, c'est mon jour de chance. J'essaye. Et il est offensé. Raté. Bon, bah, on va le tuer. Et j'ai des mini médailles aussi à lui donner. J'en ai récupéré. Voilà. Et à chaque fois que je passe trop vite, je récupère un objet, mais j'appuie moi. Bouin. Ne me vois pas, ne me vois pas. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Avant qu'il disparaisse. Parce que je vais pas faire surprise parce qu'il m'a chopé quand même. Ouais, non. Bon, on va essayer, mais je pense pas que ça va passer. Raté. Ah, il est bon en plus le viande de mercure. Hein. Pas très bon dans le jeu. Ça sent vraiment du mercure. Du coup critique. Aïe. Encore. J'ai rien contre eux. Hein. Non, j'ai rien. Matérialis. Ouais, mais c'est un monstre gluant, pas matériel. Et là, elle a fui. Ah, quel dommage, mais bon, au moins, on sait qu'il y a du gluant de mercure ici. Il m'a fallu un coup critique, de toute façon, pour le terminer comme ça, en tapant normalement. Trop dur. Commence à tomber, le soleil à se coucher. Et nous, on avance, toujours et toujours. Hop. Je suis désormais médecinal parce qu'au bout d'un moment, ça me servira plus de toute façon. Pas de nouveaux monstres. Pour le moment, nos aspects sont rangés là-haut. C'est pas du poison? C'est pas du poison. Des dresseurs. Dans un type démon, ça. Ça va. Allons-y! Pareil, si on peut réussir à l'attraper, hein, je vais essayer. On a un monster bait. On pourrait l'utiliser. Boum. Toi si tu fais encore ta grosse attaque, ils vont mourir, non? 100, 100, nanan. Quoique. Quoique ça peut peut-être tenir, j'espère. Boum. Ah. On va peut-être le tuer le dernier. Tam Tiger Dance. Raté. Ah, oh, les confus. Alors ça par contre c'est très très bien.
Ok, scout et c'est une femelle lui. Bon, c'est pas grave. 5 PV. Hein. Stun. On peut se taper tout seul. Ouais, bon, le stun, ça a pas l'air de booster beaucoup en termes de pourcent. Hein. J'ai mis que 10,7%. Elle. Il tient, il tient. Ouf. Encore, je m'acharne. On commence aussi à avoir des épisodes un peu plus longs parce que les choses à faire sont très longues. Oui, 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 oui. C'est bon ça. Hé hé. J'aurais pu t'appeler Béatrice. Ouais, on n'a rien vu. Il est énorme, waouh. Ça, c'est un vrai troll. Voilà, c'est bon, t'es plus empoisonné. C'était bien du poison, force de rester dedans. Il a l'air d'être empoisonné, donc ça fonctionne aussi sur eux. Le soleil commence à se lever. Là, c'est le mauvais chemin. On va faire courser. C'est quoi? C'est les faux, non? Les bleus. Il y a un truc qui volait. Une trompette. La pluie. Ah bah non, on va tout faire. Ah. Ah ouais, d'accord. Ouais, non merci. Des QMJ2. On se casse. Hop. Yop là. Mode 2. Bonjour. Vous serez intéressé pour un petit peu d'aide. Ce que j'ai entendu aujourd'hui. Si tu trouves un monstre. Attends, mais je comprends pas ton langage aussi. Tu coupes les mots. Arrête. Team cool. Non merci, pas besoin mais c'est génial. Puff puff passage. Oui. Oh. Oh le puff puff. Attends. Un puff puff. Petit puff puff. Ah. Ah oui, un petit peu plus. C'est tout pour aujourd'hui. Toutes les stats de Glutter est augmenté de 3 points. Ouais. Si tu veux boire un coup, je suis docteur après tout, spécialisé dans les arts du soin. Alors ouais, tu me soignes. Mais pour quelle raison, hein? Non, pas de match. Je suis désolé, les matchs contre les dresseurs pour le moment, je laisse tomber. C'est du même niveau que celui que j'avais combattu dans le téléportail. Ça va être très dur. Mais elle est trop bien cette zone. Yep. Allez là, c'est profond. Ah mais du coup le 13 ça veut dire... qu'on est au 10e sous-sol sur 13. Donc, c'était le max celui-là. Prépare surprise. Coup critique. Allez, coup critique s'il te plaît. T'en fais souvent. Tac. Dur, dur, dur. C'est bon, je tiens. Il a pas fui, c'est ça le plus important. Bon, après, on fonce jusqu'au bout.
Mais c'est pas possible de tout rater comme ça. Et en plus, il augmente sa défense. J'ai utilisé toutes mes caillasses. Je peux plus en avoir. Fli. Flampy. Et toi, t'es faible. Hein. T'es pratiquement pas frappé, t'es mort. Ils se combattent, on va les laisser tranquille. Hop. 12 F. Oh. Oh. Ah, cette musique. T'as mis des premiers Dragon Quest. Oh, génial. Hop. Parfait, je pourrais revenir ici. Encore du pognon. Bah écoute, le pognon, je crois que c'est le mieux. On va s'acheter de nouveaux équipements. Oui. On est enfin arrivé. Ouh. On va avoir encore un combat. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Sorti de nulle part, vous pouvez entendre une voix vous parler. Hello, voyageur venu d'ici. Oh. Bonjour. Je suis l'esprit de ce lac, un petit spring. You like me to help them? Yes. Ok, s'il te plaît, attends ici. Sauve-le, le pauvre. Jack, il a disparu sous la flotte. Bon, c'était pas lui que je voulais, mais... non. Non, c'était pas lui. Oh! Oui! Tu n'as pas dit la vérité. Merde! J'ai cru qu'elle allait me le donner. Non, fallait dire tout le temps la vérité. Ça se trouve, je l'aurais eu. Oh. Tactique. Support. Fight. J'aurais dû continuer à dire la vérité. Alors, moi, j'ai toujours la vérité. Mais là, j'ai cru vraiment qu'elle allait me le donner. Oh. T'as beaucoup de défense, toi. Ok, tu fais trop mal. Aïe, 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 aïe. Ok. Adieu. Hey. J'étais vaincu. Il était vaincu. Je réapparais là en plus. On y retourne. Oui, bon bah cette fois-ci, on va dire la vérité tout le long. Non. J'apprécie ta sincérité, laisse-moi voir à nouveau. Oui, c'est lui. Est-ce qu'on peut dire non? Je cherche la merde, c'est... Oui. Tu es un homme honnête. Merci. J'aime slime. Tu donnais tu as besoin de le combattre pour qu'il devienne ton compagnon. Ah mais non, mais non. Bah ouais, mais
Mais on va repérer. Attends, t'es moins fort. Peut-être, hein. On fait quoi? On met des régènes, parce qu'apparemment mon cabuff ça ne marche pas très bien. J'ai aussi Sandstorm, mais il faut voir si ça fonctionne. On va faire ça. Mettre des coups de régène. Puis un coup de petit 6. Ouais. Yes! Tu vois, là je mets pas le critique aussi, même depuis tout à l'heure sur lui, mais quand il est gluant, Mercure ça veut pas. Ouais, c'est un petit peu moins fort par rapport à tout à l'heure. Mais ouais, par contre, si j'ai pas méga protection, je meurs quoi. Et voilà, on est revaincu. Il va falloir des plus gros monstres et beaucoup plus de niveaux. Revenir ici et choper lui en compagnon. Hein. En plus, il est très fort. Waouh, 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 waouh. Fâche! Bon, ce sera à refaire plus tard. Prochain épisode, bah les portes, hein, les téléportails qu'on a débloqués. Et puis ce téléportail mystère, faudra y revenir, faudra y revenir. Je me fais tout simplement défoncer par ce monstre riche en attaque et en défense. Allez, du coup, gros épisode, bah c'est cadeau hein, pour le coup. Et puis à la prochaine pour la suite de l'aventure. Tchuss.